Bonjour à toutes et à tous et bonjour Broudaf. Coucou. On se retrouve pour la suite de nos aventures dans Wildmander. On était à la recherche du dernier rouage. J'espère qu'on va le trouver, ce dernier rouage. Voilà, accroche-toi et grimpe. Je m'accroche. Non, je parlais à mon perso. Pof, pof, pof. Bon, j'avais pas vu, j'ai fait plein de nourriture pour le pangolin et je lui aurais rien donné, pauvre pangolin. Ouais. Il va pas m'aimer. Quelle maîtresse indigne. Ouais. Mais c'est pas grave, je t'attends. Bien à l'abri. Ouais, j'arrive, j'arrive. Bah oui, en plus c'est de nouveau la journée, donc on voit plus les esprits, les petits fantômes. Je veux des petits fantômes. Je vois ton chiffre qui se rapproche. Ben oui. Bon, j'arrive pas à passer la porte. Ouais, bro. Voilà. Hop là. Et en contrebas, je voyais un truc. Ouais. Mais du coup, il y a un truc que je veux te montrer d'abord. Ah, j'arrive. Un ascenseur? Ouais, il y a un ascenseur. Oui, alors ça s'accade vachement quand on est sur l'ascenseur quand même, hein. Ouais. Mais il y a des copains après qui t'attendent en bas en plus. Il y a un rouage. Ouais. J'arrive pas à le prendre. Pourtant, ils me disent pas que je suis plein, mais. J'ai pris le parchemin, je te laisse le rouage si t'arrives à le prendre. Ouais, je réfléchis à qu'est-ce qu'il vaut mieux que je mange par rapport à la place qui me reste dans mon inventaire. Hop. C'est bon, j'ai pu le prendre. Ça sera pas mal. Voilà, hop. Hop. J'ai un rouage. Oui. Runique. Et du coup, je veux bien voir ce que tu avais vu, toi. Bah, c'était ça. C'était ça. Je l'avais vu par en bas. Top. Ouais. En fait, j'avais vu le coffre en surbrillance. Oh là là.
Rapporter le rouage runique à sa destination. Alors, c'est où sa destination? C'est le fantôme tout de l'autre côté. Ouais, est-ce qu'on pourrait pas sortir par là? Ouais, plutôt que de se taper le... Oui, on peut sortir par là, carrément. Parce que l'ascenseur, il est un peu buggé. Hein. Parce que bon, là, il est 4 heures, il va bientôt faire nuit. Tant qu'on arrive là-bas, on verra le fantôme. C'est bien pratique cette cape volante, mais on peut pas traverser toute la map avec. Ouais, non. Et puis ça te pompe quand même à force un peu de points d'essence. Ouais. Hop. Et la stèle ici. Déjà la stèle, ok. Alors, hop. Chobiti est morte. Chobiti avait plus d'essence. Bon bah je vais ramener les rouages. Voilà, le brouillard se dissipe dans la ville. Parfait. Et on a le petit truc de Gleb à aller choper en bas. Oui. Bon. Where is mon cadavre? On doit arrêter les mages. Mon cadavre est droit devant. Bah, il est où le truc à choper? C'est moi qui l'ai pris en passant. Ah bah d'accord. Mais maintenant faut trouver le temple qui est droit devant. Mon cadavre. Oh, ça brille, c'est mon cadavre. Ah, d'accord, j'étais passé à l'intérieur de la rocaille en train de grimper. Wow. Ça va, il m'a sorti de la rocaille, ça va. Non, j'ai pas tout ramassé. Grand pont. Oh, il y a un fantôme là-bas. Oh, il y a un autre fantôme là-bas.
Tu grimpes? Grimpe, cocotte. J'ai faim, j'ai faim. Comment ça, j'ai faim? J'ai pas faim. Je veux aller voir le fantôme. Et en plus, il y a un coffre. Te rejoins. Allez, restaurons l'hôtel de Gleb. Ouais. Ah, il m'a filé du cuivre. Mais j'ai le sac qui est plein. Alors, je te rejoins. Voilà, j'ai fait de la place. Nous devons reconstruire. Prenez ces matériaux. C'est fait. Alors, fabriquer un symbole d'abeille ouvrière à proximité du pilier en surbrillance depuis le menu fabrication. Oh, on peut les faire, les... Symbole d'ouvrière. Faut du miel, a priori j'en ai un, du grès et de l'essence. Ouais, des abeilles, des abeilles. On va avoir des abeilles, on va avoir des abeilles. Après, il faut faire un symbole d'abeille guerrière. À proximité du pilier en surbrillance. Bah, c'est toujours le même, en fait. Construisez autant de défenses possibles avant l'assaut des spectres. Alors, la pierre, on peut peut-être la transmuter en symbole de flamme. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y en a pas d'autres, mais on peut en faire une deuxième. Si, il y a un truc là, t'en sais quoi? Un coffre. C'est bien aussi. Coffre scellé et j'ai pas de quoi l'ouvrir, moi. Bah, si t'as de quoi ouvrir le coffre. Je vais venir, oui. J'imagine qu'on est censé... Après, on peut le faire après l'attaque. Mais des murs en bois. Ah là, j'ai été faire une deuxième pierre. Alors du coup, il est où ton coffre? Coffre, où es-tu? Que fais-tu? Voilà, on a une deuxième pierre de flamme brûlante. Je vais faire un coup. Hop. Faut leur filer de l'eau ou quoi? Ah non, c'est des points d'essence, d'accord. Ah, t'avais fait une autre pierre toi aussi. Ouais, j'ai fait une autre pierre. Donc on en a trois. Du coup, je suis même pas allé ouvrir le coffre. Je vais refaire une abeille guerrière. Les abeilles ouvrières. Alors, ouvrons le coffre. Ouvre. Ah, j'ai presque plus d'essence, moi. On va arrêter de faire la cape. Ah, ça y est, ça attaque. Ouais. Ça va, il y en a pas des masses non plus. Enfin, je vais dire ça et après ils vont être 45 sur notre tronche.
j'avoue que j'avais chaud bien. Comment ? Talisman défraîchi là, mais je suis plein. Où êtes-vous ? Est-ce que tu as ramassé le talisman défraîchi ? Non, je l'ai pas ramassé. Il est par là, c'est ça ? Par où es-tu ? Par où es-tu ? Il était sur une porte. D'accord, je vais faire le tour. Ah oui, je le vois. De mémoire, c'était là, ouais. C'est bon. Construisez des symboles d'abeilles ouvrières à proximité des piliers en surbrillance à préparer d'autres défenses. D'accord. Alors... Moi, je veux bien, mais... Ça demande du miel. Le miel. Ouais, je sais pas, moi ils me disent que j'en ai du miel. Ah, moi j'en ai pas. Alors, on me demande pas comment que ça se fait que j'en ai, mais... Alors, on va essayer de faire d'autres défenses. On va déjà mettre une... Ah, j'ai pas assez d'essence pour faire des défenses, moi. Ah, que veux-tu que je fasse ? Bah, viens là que je te file du miel. A priori, j'en ai. Jeter tout. Hop. Il te faut quoi d'autre pour faire des défenses ? On va regarder, mais. Tiens, je pense que tu dois avoir besoin de cuivre. Oui. Et t'auras besoin de grès aussi. Alors. Mais du grès, tu dois en avoir. Ouais, hein. Le grès, j'en ai. Donc ce pilier-là et ce pilier-là. Bah, l'autre pilier est pas mal défendu. Bah ici, ce serait bien de mettre une petite pierre. Ouais, je vais faire ça. Hop. Parce que les autres, elles ne font que stunt, les abeilles guerrières. Ah, paf, paf, pierre de symbole. Bah, tu sais quoi, on va mettre une à droite et une à gauche. Alors, tant que ça soit fun. Ils arrivent. Bah oui. T'as là, j'ai plus la up. Et celle-ci, symbole de flamme. Ah, j'ai pas ce qu'il faut, crotte. Manque quoi ? La pierre de cristal et le cuivre. Attends, bah tiens, viens là, je te les file. Je te jette du cuivre et de la pierre de cristal. Wow. Ah oui. Sac plein, j'ai pu prendre ce qu'il fallait au moins. Non, non. T'as pas pris le cuivre. J'ai pas pris le cuivre. Je vais jeter un truc. Manger un truc. Allez. Pof. Oui, ben. Putain, mais. Vous m'avez lourdé là. Hop, je mange ça. Et du coup... Ah, bah oui, voilà. J'ai pas assez d'essence pour établir le portail qui est juste à côté. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger moi ? Hop.
C'est un peu la même chose que je me demande. Je vais poser ça. Le temps de prendre ça. Lire ça. Hop. De prendre ça. Et de prendre ça. T'es où? T'es là. Meurs ? Non mais... Je peux pas lire le parchemin, pas assez d'essence. Du coup... Est-ce que t'aurais un cuivre de plus ? À tout hasard. Je crois pas. Ouais, bah tant pis. Je peux pas améliorer mon symbole. Non, j'en ai pas plus. C'est pas grave. On va bien looter. Oui. Hop. Silex. Après, ce qu'on a posé comme défense, ça a l'air de largement suffire. Hein. Oui. Donc, du coup, est-ce que je peux l'améliorer en quelque chose d'utile ? Oh bah oui, je peux faire ça par exemple. Ah oui, c'est 15 d'essence qu'il faut pour le portail. Il se regroupe! Oui, bah, faut peut-être pas construire 15... vas-y, allez, je vais en mettre une là. Ouais, j'ai plus de grès. Voilà. À la journée, si tu veux. Oh, c'est éventuellement pour rajouter un petit chouk de trucs, mais je pense qu'on est déjà bien. On peut garder notre miel. Notre miel. Ouais. Enfin, ton miel, du coup, parce que. C'est à toi qui l'a donné. Ok, sont les méchants, ok, sont. Je suis parti récolter un peu de trucs dehors. J'arrive. Allez, lance la boule de feu. Plein de trucs. Ah,
Alors, posons des trucs. Ouais. Posons des trucs. Ah, t'avais fait un établi. Non, il y en avait déjà. Hein. Ah, bon, ouais. Ouais. Un parchemin. Un parchemin. Alors, où vous êtes les derniers spectres? Venez. Il veut pas me laisser utiliser l'établi, il me ressort du truc à chaque fois. Peut-être parce que j'ai mis une graine dessus que j'ai jetée, que j'avais plus de place. Ah oui, oui, ça c'est un peu buggy pour ça. Une graine d'herbe de sable si tu veux la prendre, si t'as de la place. J'ai une place, je peux. Alors, pour réparer les piliers une dernière fois. Alors, il est où déjà l'établi? Voilà! T'es pas content, Gleb? Naya qui vous envoie, bah ouais. Alors elle est passée à l'acte, impossible de faire marche arrière désormais. Bah. Je vous aiderai autant que je pourrai. Sans ma ville, mon peuple, mais les prêtres, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est la voie que Naya a choisie. Venez, j'ai quelque chose pour vous. Un cadeau. Un cadeau dont personne d'autre n'a l'utilité. On a maintenant la bénédiction de Gleb. Oui. Et on peut récupérer son cadeau. Alors, il va falloir que je fasse une place, moi. Non, c'est comme la cape, c'est pas... Le ciseau du constructeur, ok. On peut en profiter pour laisser le tribut du fantôme pèlerin. Ah oui, en plus, c'est vrai. Éco-protection urbaine. Alors, l'ombre et l'humidité naturelle pour les étagères monumentales et les splendides de la lune. Ok. Donc il va falloir, je présume, avec le ciseau, construire des sortes de ravins. Ah, un arbre caduque vous donnera l'ombre nécessaire. Un soupçon de magie assurera une humidité constante. Et vous obtiendrez ainsi une mer des bosquets. Ouais, elle va pouvoir planter des trucs. Ok. Et on peut faire du miel à gogo. Oui, du miel. On veut du miel. Ah là, moi, il y en a eu deux par terre. Alors attends, oui, bon, remarque si t'en restes. Bah, il m'en reste un tout petit chouille, donc. Bah, garde-les alors comme ça. Bah, toi aussi, tu peux le faire, je pense, le miel à gogo. Ouais.
Mini à la coco. Pour faire des ruches. Ouais, je veux des ruches. Bon. On va pouvoir sortir de là. Ouais, moi, je suis pas contre aller à la maison vider mon inventaire. Ouais, tu vois, on peut creuser le sol avec son truc plus efficacement. Ah, mais le portail il est pas restauré, j'ai pas de gland. Ouais, mais c'est bon, maintenant j'ai mes points de source. Voilà, il est restauré. Merci, bro. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, lui ? Bah, il y a son fragment à lui rendre. Voilà. Il est pas comme les autres. Bah, écoute, qu'est-ce que je te dis ? Oula ! Selan, Vidyachara, j'ai à nouveau besoin d'une source de mana. Que souhaitez-vous créer, votre éminence ? J'œuvre avec le haut céramiste pour améliorer la résistance de son portail aux attaques magiques. Est-il inquiet pour la sécurité de sa ville ? Non, il ne faisait que suivre mes conseils. Laisse-moi te poser une question personnelle, Vidyachara. D'où puises-tu ton pouvoir ? Comme tous les esprits, je puise mon essence dans le monde et je dépense du mana. Je possède toutefois une forme unique. Ce n'est pas la chair et l'esprit qui me composent, mais le savoir et les souvenirs. Fascinant, cela me donne la matière à réflexion. Ok ? Alors, à pouvoir poser des trucs. Bah déjà, je vais peut-être poser des gâteaux, moi, j'en ai 24. J'en ai à peu près autant. Hop. Ça là. Ah, il y en avait là. On va lire le parchemin que j'ai looté. Alors, chère grenouille. Oh là là, t'as plein de choses, chère grenouille. J'ai pas vidé assez mon inventaire à ce rythme-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore ça ? Ça ? Alors...
Voyons voir si on peut essayer de faire une mer des bosquets. Ah, j'aurais pu prendre de la jade. Oh, bah tant pis. Je reviendrai avec de la jade. Il y en a plein dans le coffre. Ouais, il y en a plein dans le coffre, c'est juste que... Je prépare un petit coin pour planter la mer des bosquets. Parce que bon, il faudra que ça grandisse et que ça pousse. Et que les plantes elles deviennent grandes. Et qu'elles fassent des bébés plantes. Mais elles s'auto-plantent pas les bébés plantes. C'est à nous de les planter. Eh ben, on avait plein de régionnants au sol. Il nous faut plus de grenouilles pour tout ramasser. Faudrait déjà qu'elle bosse tout court. Oh, elle avait bien bossé, elle m'avait trouvé un parchemin qu'on n'avait pas ramassé. Alors, je plante ça par exemple. Bah ouais, t'es pas encore de la terre, donc je peux pas encore te planter. Pareil, pas encore de la terre. Bon bah, je vais chercher de la jade et je reviens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, survie, on a 8 souvenirs. J'ai débloqué la joaillerie. Ouais. Voilà, maintenant on peut faire des puretés de jade. Utiliser du jade pour fabriquer une outre anti-poison. Oh, bah ça c'est top. On va aller faire ça tout de suite. Établi. Outre en jade. Alors j'espère qu'il me reste un petit peu de jade pour moi. Oui, t'inquiète, il en reste. On n'en a pas fait terrier du pangolin. Non, on n'en a pas fait terrier du pangolin. Alors, pouf, 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 où je mets le terrier du pangolin? Par ici, c'est très bien. Alors, terrier du pangolin, c'est où ça? Terrier de pangolin. Ah, je pète silex. C'est où la jade? Dans un des gros coffres? Non, non, c'est pas ça. C'est l'outre en jade, je la trouve pas. Elle est tout au début. Elle est tout au début. Ah voilà, c'est parce que j'étais pas dans les outils. Ah. Yes, et en plus maintenant il y a encore plus de place dans l'outre. Mais elle a le bide encore plus plein la grenouille. Faut arrêter de manger, cocotte. Moi je veux faire le terrier de pangolin. Je veux utiliser mes friandises. Ah, le fripon n'a pas été apprivoisé. Bon, bah, je vais aller apprivoiser le pangolin. Mais lol.
Non, mais il y en a forcément du grès. Là, partout par terre. Hop, ça on met là-dedans. C'est toujours pas ça que je cherche. Je peux pas être dans les canyons et pas trouver de grès. Bah, je vais retourner à la maison encore. Pas grave. Il y en a plein du grès à la maison. Bah ouais. Ça veut pas, c'est pas grave. Plantons des trucs. Ou arrêtons-nous là. Ou arrêtons-nous là. Oui aussi, bien sûr. On peut s'arrêter là. Ça peut être une bonne occasion de s'arrêter là. Et ben, du coup, la suite au prochain épisode. Ouais, merci c'est à tous. Au revoir, hein. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir la vue de Prudeuf sur sa chaîne ou bah, la mienne sur ma chaîne. Accessoirement. Voilà. Et puis bah, on vous dit à très bientôt pour la suite. Merci Prudeuf. Merci à toi. Bah, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires et des pouces bleus, à partager la vidéo, enfin les vidéos. Et puis à très bientôt. Allez, bye bye. Bye.